Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte des jeux du Full Set Wii U. Nous allons faire aujourd'hui le Pokken Tournament, donc un jeu sur les Pokémon qui peut se jouer à la mablette, à la Nunchuk Wiimote, à la manette. À la manette plus Nunchuk ou plus Wiimote, bizarre. Et à la manette filaire, sans fil. Allez, c'est parti, on va voir ça. Hey, nice to meet you. Salut, ravi de te rencontrer, je m'appelle Nia et je veux mettre plus de son. Alors qu'est-ce que tu vas me dire, Nia? Je suis dresseur de combat ici à Ferrum. Mon fidèle partenaire est Dimoray, c'est le Pokémon le plus mignon du monde. Oh, il est en train de dormir dans un coin. Ne fais pas attention à lui. Tu dois être le nouveau dresseur prometteur dont on m'a annoncé l'arrivée. C'est moi qui vais te guider. Bon, tout d'abord, bienvenue dans le combat Ferrum. Ici à Ferrum, tu devras ne faire qu'un avec ton Pokémon partenaire et remporter des combats acharnés en duel. Une fois dans l'inscription de dresseur de combat effectuée, tu recevras ce qu'on appelle une oreillette de combat. Elle contient une pierre de synergie qui te permettra d'entrer en synergie avec ton Pokémon lors des combats. Mais je t'expliquerai cela en détail plus tard. Tu vas vivre plein d'expériences nouvelles ici, j'ai hâte de voir quel genre de dresseur tu vas devenir. Je ferai de mon mieux pour t'encourager, alors commencez, combat en t'amusant. Bon, commençons par t'inscrire. Alors, Wenju, un garçon. Ouais, on s'en fout. Ouais. Lucario, c'est un combattant. Allez, on prend. Ouais. On aura... Ah, il y avait un Dracolos. Je vais même pas regarder ce qu'il y avait. J'ai cru voir un Dracolos en bas. J'aime bien Dracolos. C'était mon premier Pokémon badass que j'avais trouvé dans la nature d'un Pokémon Go. Voici Ferrum. Où on se retrouve actuellement, c'est une île gigantesque entourée d'un immense océan. Les combats Ferrum sont très populaires ici, comme tu peux t'en douter. Les combats sont un peu différents d'une ville à l'autre, je vais te résumer tout ça. Pour commencer, nous nous trouvons actuellement dans l'ancien village de Ferrum. On l'appelle aussi mon village, et si tu peux venir ici pour consulter tes délais de combat et modifier tes paramètres, ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout en avant d'arriver à chaque nouvel endroit. Voilà, ici c'est le stade Ferrum. C'est là que se tient la ligue Ferrum. C'est un mode de jeu solo où tu te bats pour la victoire dans la ligue officielle. L'étape suivante, c'est Telu Reveal. Je dirais ici, tu peux participer à des matchs informels contre des adversaires contrôlés par ordinateur. Si tu veux te battre contre tes amis, il faut que tu ailles sur l'île Selene, d'accord? Après, il y a Neoville où tu peux te battre en ligne, d'accord? Technivillé entraînement, tu peux apprendre plein de trucs pour les combats et tu peux même t'entraîner. Je vais te montrer comment ça marche, le didacticien. Bon, cela m'a pas prévu, mais je crois t'avoir tout dit. Moi, j'ai envie d'essayer. On va voir le didacticien. Allez, on va voir le didacticien. Ici, tu peux apprendre tout ce que tu veux sur les combats, Ferrum, et t'entraîner autant que tu le souhaites. Dans le didacticiel, je vais absolument tout apprendre sur les combats. Dans les entraînements libres, tu peux choisir plusieurs paramètres pour t'entraîner comme tu le souhaites. Je te conseille de commencer par mon didacticiel. Ah oui. Tu peux ouvrir le menu pause pendant le combat pour voir la liste des techniques de ton Pokémon. C'est très utile, n'hésite pas à y aller. Je prends premier. Moi, je suis nul en combat, alors j'espère que c'est pas les histoires de type et tout ça, parce que je suis pas bon avec ça. Ton Pokémon, je suis pas un expert Pokémon. Alors, déplacer le Pokémon. Okay. Mais j'ai pas envie de jouer Next up, press this button. Ok. Next, press this, you'll launch a
Ok. Ok. Donc Y, X, Y loin. X proche. Une phase. Les phases de terrain et les phases de duel. Un combat s'ouvre en phase de terrain, c'est la phase actuelle AR. Ok. Et voici à quoi ressemble une phase de duel. Ouais, on est plus proche quoi. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord, c'est parce qu'on se rapproche quoi. Alrighty. Now, try to shift. Try to hit your opponent with this. Okay. Ça va. In dual phase, you can dish out some serious. Here's where the real battle goes down. But you'll need to be. The way you move around differs a bit from. Let's practice moving around in dual. By pressing forward twice on the plus control pad, you can perform a forward dash step. By pressing back twice on the plus control pad, you can perform a backward dash step. You can jump using the B button. In dual phase, the action is highly varied. Ah. Land a certain attack on. D'accord. You can also just land a. D'accord. Send them flying back into field. On a pitché, c'est bon. Proche. Battles will involve shifting. Plus, when you cause a phase shift, you'll get a knife, and by that, I mean. D'accord. D'accord, donc c'est important d'essayer de l'éjecter. D'accord. J'ai compris. Ah merde, ça va pas être pratique. By blocking, you can all but complete already. Just hold down the. C'est pas pratique. C'est pas la meilleure touche, hein. Je préfère le retour arrière. D'accord. Your synergy gauge will. Once your synergy gauge is full, try press. D'accord. Your Pokemon used its. Your Pokemon will be super powered while it's in sip. D'accord. Synergy. You can use a burst attack once during every sip. Try using a burst attack. C'est badass. Ok. Land a hit, you definitely don't. Tutorial finish. Ok, on va essayer de faire un combat. Avec juste ça. On va faire un combat solo. You can battle against CPU. Unlike normal battles, you can. I'd recommend this mode when you. Alors on va se détendre et s'amuser. C'est exactement ce qu'on veut faire. D'accord. Il y a plein de règles, on peut tout modifier. Which Pokémon are you battling with? Ah non, c'est même pas Dracos, c'est Dracofeu. On va continuer avec Lucario. Hein.
Enfin, il y a des. Il y a des tas d'options. Hein. Il y a plein de trucs à gagner, des stades et tout. Ah, Lucario contre Lucario, ouais, super. C'est moi qui ai fait une connerie. Non, c'est bien l'ordi. Hein. D'accord, donc Y. De loin, X. De. Ou l'inverse. Je sais déjà plus. Ah, j'ai. Ah, oh, j'avais mis la phase. Allez, je te teste. Je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé. Allez, vas-y, rentre tout. Oh! C'est moi? Oh putain, bâtard! Ah, je lui en ai mis plein sa gueule, je sais pas ce que c'est. J'ai vu des trucs. Ouf! Ouf! Ah non! Abusé. Oh, j'ai vu des trucs sur le. Je sais pas ce que c'était. Oh, j'en ai mis une bonne. Hein. Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. C'était chaud, hein. C'était pas évident. Bon, c'est un peu fouillis. C'est un peu ça, hein, quand vous commencez les jeux de combat, c'est normal. Ouais, pas simple, ok. Eh ben écoutez, c'est plutôt cool, ça a l'air plutôt technique, il y a pas mal de trucs un peu partout, des nouveaux, au niveau des bonhommes à trouver, des stades à débloquer, voilà, il y a des objets à débloquer, donc il y a pas mal de trucs, ça a l'air assez complet. Eh ben j'espère que vous avez kiffé la présentation de ce Pokémon Tournament. Pokémon Tournament sur la Nintendo Wii U. Si c'est le cas, laissez-moi votre plus grand pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde!